Et salut à tous, c'est Darkmania, je suis ravi de vous retrouver pour notre let's play sur Saint-Trou 4. Ouais, vraiment très plaisir de vous retrouver. Et j'en ai marre d'être interrompu dans les jeux, vous savez pas à quel point. Non, non, c'est pas pour... je suis pas énervé là, c'est que... Les jeux ont tendance à interrompre les joueurs dans les commentaires. C'est un truc de dingue, quoi. Bon, est-ce qu'ils vont me laisser tranquille? Allez, bon. Hop. 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 Ah, mais il est pas mort, hein, c'est ça le pire. Ah si. Hop. Bah, je profite pour faire cette activité là en même temps, comme c'est sur mon chemin. Hein, évidemment. Voilà, j'ai un monstre, ça c'est pas grave. On va faire avec. On commence bien la vidéo. Là, on commence bien. C'est chaud, c'est... Hop. Voilà, j'ai pas eu le temps de partir, c'est génial. Alors attendez, parce que je crois qu'il me faut un flingue quand même. Hop. Le pompe, d'accord. Ok, ok. Enfoiré, enfoiré. J'ai de la chance, mon petit. Ah, mais il esquive tout, enfoiré. Oh là là la vache. Je vais mourir là. Je vais mourir. Je me casse. Je vais mourir. Bon, je reste dans la surface quand même. Mais faut que je me planque là. Ouais ouais, mais je suis en train de mourir là. Donc 2 minutes. Je vais mourir là. Ça serait bien que ma vie remonte là. Ah, attendez, parce que là c'est pas normal. Ma vie doit remonter là. Donc on monte légèrement. Ah d'accord, seulement légèrement. Il est en train de s'énerver là. Ah, ils me font chier avec leur protection là, la con. Là. Pardon, ça y est, je commence. Il m'énerve avec sa protection là. Je suis mal là, je suis mal. Attends, toi là, tu me donnes de la vie, toi. Tu me donnes de la vie là. Non, de la vie, je veux. Ah, c'est pas possible. Hop. Ah, bah, bien sûr. Je suis en train de me remettre de la vie, toi t'es en train de me frapper là. Espèce de lâche, et en plus par derrière. Hein. Lâche, vote. Sans couille, tiens. Ouais, c'est ça. Énerve-toi. Viens. Ah, mais non. Oh là 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 là. Ça m'énerve à chaque fois que ça m'arrive. Ce genre de choses. C'est un truc de dingue. Oh là là! Comment il a su que j'allais là, moi? Ah, mais non, mais non, mais... Tu es en train de faire n'importe quoi, mon gars, là. Je suis en train de jouer comme une brêle. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Descends! Oula, 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 oula. Ah, mais comment il arrive à savoir où je vais, là? Ah bah voilà, ça y est, c'est bon. Ah d'accord, ok. Ah, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Ah, il a remis son truc, hein. Ah, c'est chiant, ça. Bouge pas. Ah, c'est bien. Bien, mon petit, bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh. Oula, oula, oula.
enfoiré. Je t'aurai un jour, je t'aurai. Mais recharge! Oh là là, c'est pas possible. Ouh! Tu m'as pas eu. Et moi je vais te geler. Hop. Tu es mort. Quoi, j'espère. Résiste pas, c'est la force de Synthro. Ah, ça c'est bon ça. Bon bah on aura fait un truc, un direct d'entrée, on aura fait une petite quête annexe. Bon. Oh, yeah, ça fait du bien pour se mettre en forme. Ah, sans prise de tête là, je me suis pas pris la tête. Alors que normalement je m'énerve comme un fou. Ça va, en ce moment je suis zen. Je m'énerve pas beaucoup, ça va. Je pense que vous devez le ressentir dans les vidéos. Que je m'énerve moins qu'avant quand même. Voilà. Alors rien que pour ça, un petit pouce vert d'encouragement me ferait énormément plaisir. Je prends beaucoup sur moi. Moi je suis une nature très nerveuse. Surtout quand je joue aux jeux vidéo, je suis nerveux. J'aime pas rater ce que je fais. Voilà. Yeah. Donc là, je prends beaucoup sur moi. Pour essayer de vous faire des bonnes vidéos de bonne qualité. Hein. Essayez, hein, je dis bien, je suis pas non plus le meilleur youtubeur de la Terre. Hein, ça, loin de là. Hein. Mais bon, je suis pas là non plus pour me faire de la pub ou pour faire de l'argent ou quoi que ce soit. Je suis là pour donner, on va dire, du plaisir et de détendre les gens. Voilà, je suis là pour ça. Walou. Allez, on va à la quête principale. C'est parti, Walou, voilà. I was shocked when the boss picked you to be the vice president, but you ended up working out. That's only vaguely insulting. Look, you sound just like Julius Little. Putting a guy who betrayed you in the number two slot seems like a great way to get killed. I'm nothing like Julius. Kinsey, we're ready. I'm sending Sid the jailbreak. Any last advice? When you're inside Matt's virtual oubliette, there's a decent chance that I'll be focusing on interfacing with the intrusion countermeasures, so pay attention to the console commands. Any last advice, he'll understand. Don't get killed. Gotcha. Matt Miller, the self-proclaimed hacker god, ran all the cyber terrorism for the Syndicate back in Steelport. Now he's Asha's right-hand man in MI6. I just hope we can trust him like she does. You know, Kinsey, rescues go better when you have a fucking gun. Well, you don't have superpowers either. I asked for a gun and you give me a typing lesson? It's a command prompt. Just give me a second. Ok, bon, on est parti, hein. Of course. Damn it, the camera's screwed up. Donc on est dans un char, hein. Kinsey, fix this. I'm trying, but I'm not used to the code there. Donc ça doit vous rappeler des petits souvenirs, normalement, hein. C'est censé nous rappeler des souvenirs d'un jeu connu. Mais bon, évidemment, je n'ai jamais joué à ce jeu-là. Hein. Donc moi, ça me rappelle aucun souvenir. D'ailleurs, ils vont montrer le nom après, là. Attendez, parce que là, je dois me mettre comment, là. Regardez bien là-haut, c'est, il va avoir le nom du jeu marqué. Bon, évidemment c'est pas le vrai nom, hein, mais
ceux qui connaissent. Ah mais c'est un... incroyable comment on peut pas piloter ce truc là. Ah ouais. Je pilote rien là. J'arrive pas à tourner là. LOL. J'arrive pas à tourner. Could be better. Le nom du jeu va être apparu, voilà. Tank 3D. Tank 3D, ça vous dit rien, Tank 3D? Ah, c'est un jeu. Je crois que c'est le jeu, le fameux jeu gratuit là, sur internet et qui va arriver prochainement sur Xbox. Comme ils ont dit à la conférence de presse de Microsoft. Ça va être un jeu qui va arriver sur Microsoft. Hop. Donc c'est une petite parodie de ce jeu tank là. Je pense, hein, après peut-être que je me trompe. Am I just shooting tanks or do you have a better? Ça ressemble bien. Miss Kensington is rather astute for a human. Yeah, well, big towers controlling security on a linear path. Not very creative for your superior intelligence. Touché. Done already. Quand on nous tire dessus, mais on sait pas d'où, c'est un truc de ouf. Oh bah oui, bien sûr. That's two. Voilà. Been meaning to thank you, Kixie. For what? Sure, you almost led me into certain game, but oh bah bien sûr. Virtual hellhole, but you really came through in the end. God, are you so mad about that? I said I was sorry. Bien sûr. I said you came through. Oulala, oulala, oulala. Ça pour aller chercher notre ami Miller, hein, le fameux hacker Kidsy, I'm at the last tower. Du 3, hein. Oh, I don't think it should be that easy. He's made the tower invulnerable. Hang on, I'll find a workaround. Survie au piège, ouais. On va survivre au piège, donc je dis pas grand chose, je reste concentré pour essayer de vous réaliser au moins quelques bonnes choses quand même. Ok, moi je me casse. Alors là, c'est le une parodie, à partir de là, c'est une parodie d'un film très connu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me rappelle plus du nom exactement du film. Mais c'est une parodie de ce film. Comment ça s'appelle déjà? Tron, je crois que c'est ça le nom du film, Tron. Un truc comme ça, je sais plus trop. Hein. En tout cas, c'est une parodie de ce film-là. Ça, je pense, hein, j'en suis... En tout cas, je pense, c'est mon avis. Après, peut-être que... C'est peut-être une parodie d'un autre truc. En tout cas, ça ressemble énormément à ce film. Bah, ça peut pas être
Speed Racing, hein. C'est pas possible que ça peut être Speed Racing. Pour la seule et bonne raison, c'est Speed Racing, c'est une course. Et là, on fait pas la course. Donc, je pense plus à une parodie de Tron, là, je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus comment on l'appelle le film, je crois que c'est Tron, je sais plus. Je sais plus, le gars là qui va rejoindre son père dans un monde virtuel, là, je sais plus comment ça s'appelle ce film, hein, c'est Tron ou je sais plus, un truc comme ça. Bref, je pense que vous... Je pense que vous savez de quoi je parle, je pense. You're coming up on Matt's prison. What kind of security does Matt's prison have? Chances are it's not a standard behind bars sort of prison. You'll just have to wing it. Well, nothing the two of us can't handle, right? Oh, and since I can't see what's going on in there, don't... on est arrivé. Fuck me. Youhou. This can't be good. Youhou. Before you, I place a choice. Walk through the blue door and continue to face yet more failures at saving those closest to you. Your race will live on borrowed time and will, through your violent arrogance, wind up extinct. Walk through the red door, however, and I will release the humans whom I have collected. I will give them amnesty and even a ship from my fleet to do with as they see fit. However, in choosing this door, you will willingly submit yourself to execution. This is the moment where you can prove to be the savior of humanity, or its absolute destroyer. Is this some kind of joke? This is your life as it led you to this point. All your past violence, crimes, and losses on display to remind you of one simple fact. Regardless of what I have done to your world, you were its greatest threat. The evidence is irrefutable. How many have died because you decided that driving on the sidewalk is faster than the road? Because you used a rocket in place of a bullet? Because you wouldn't submit to my rule? In the end, you only hurt those you are trying to protect. In the end, there is only one. True. The human race would be much safer without you in it. Ah, enfin, tu fermes ta bouche. Merci. Donc, je voulais vous dire là, cette image-là, je sais pas si vous avez reconnu. C'est l'image du premier épisode. Peut-être, oh, c'est l'image, oui, du premier épisode. Vous voyez, quand il, je crois qu'il était en prison, etc., etc. Si je me rappelle bien, hein, ça fait longtemps. C'est le premier épisode qu'on voit là. Ensuite, je crois qu'ici, c'est un mélange du 1 avec du 3. Par contre, on retrouve pas trop le 2. On trouve pas trop le 2. Peut-être ici, là. Vous voyez, en tout cas, il y a toute sa vie, vous voyez le 1 et le 2, en fait. Le 1, le 2 et le 3, on voit les images de... non, je crois que du 2, on les voit pas, hein, on voit pas l'image du... Ah si, là, là. Ici, là. Au niveau des insignes, là. Ah ouais, si, on voit, là. Vous voyez le... La première map, là. Voilà, ça, c'est le 1 et le 2. La map du 1 et 2, ça c'est la map du 3. Voilà, on retrouve vraiment, voilà. Bon, alors on va prendre la décision. Je vous conseille pas d'aller au rouge, hein, sinon c'est game over. On va continuer par là. Alors, devant toi un ordinateur attend. Tu fais quoi? Bah, tu t'approches. Une question apparaît à l'écran. Qu'est-ce que tu...
tu tapes quoi? Je suis le leader des saints. Non, ça marche pas. Donc je suis un esclave. Ça marche. La salle disparaît, t'offrant une vue à couper le souffle du cosmos. Tu fais quoi? Tu marches sur la lune. Ah non, ça marche pas. Tu fouilles la lune, non. Vole vers l'étoile. Entre dans l'étoile violet. Alors, le son d'un cœur qui bat remplit la pièce. Ah, nanana. Tu fais quoi? Je crois que c'est tu casses le perroquet, non. Tu manges le cœur, non, tu bois le vin. Ouais, tu bois le vin. Ensuite, réveille-toi. Là, tu fabriques une radio en noix de coco, je crois. Ah non. Non, un fabrique deux verres. Allez. Non, offre un verre. Ensuite, magnifique dominatrice émerge de la seule en un. Jolie tenue. Ah non, laisse-moi partir. Ta mère est une esclave. Désolé. Je dis désolé. Je veux sauver Matt. Parce que ça sert à rien si vous dites je veux détruire machin. Ça va vous faire revenir en arrière. Donc faut mieux dire je veux sauver Matt. C'est dommage que j'avais pas fini avec lui. Elle soupire. Alors tu vas devoir affronter l'adversaire. Merde, je veux détruire. Non. Voilà. Alors où est Matt? On y va. Je veux te battre. Frappe machin. Esquive contre-attaque. Pleure. Pleure. Là, ça marche jamais. Je comprends pas trop. Frappe, c'est ça, frappe. Après, frappe à nouveau. Frappe à nouveau. Hein. Je l'étais dit, petit. Allez, Matt. Décroche le téléphone. Voilà. Don't like the idea of us sitting around. Shouldn't we be picking up Matt? The kid could be in trouble. Keith, you gotta relax. The guy's an MI6 agent, for God's sake. He can take care of himself. You needed help getting out, and you're the commander in chief. That's a really good point. What did we think of this earlier? Oh, I did. I'm just not a big fan of Matt. Kinsey! Come on! Can't I get some payback? Got a little loss, big deal. Oh, he got a little dead. Who knows? Oh, he's fine. He's probably having the time of his life exploring Zinyak's ship. Ok. Donc c'est comme ça qu'on fait hein, pour libérer Matt. Hop. Allez, c'est parti. Pas cool, retrouve Matt. On va parler à Kinsey. Je crois que c'est son nom, hein, Kinsey. Hein. La belle et douce. Elle est sexy, hein, cette nana. Moi, j'aime bien. To work from inside the simulation. There's several things you can do around Brixton so I can set it up. Also, I should be able to create an upgrade to your blast with this. Sure, why not? Alors, je vais vous faire plaisir à tous les pervers de la Terre. Allez, ça c'est pour tous les pervers. Ah, c'est parti. Hey Kinsey, you wanna fuck? Voilà, pour tous les pervers, c'est fait. Objectif rempli en plus. Vous gagnez des trucs, okay, c'est bien. Every store you hack feeds me security data. I can use that data to insert a virus which will open up a doorway back to the ship. So go hack while I work on the virus. Got it. Well, I could sit here and talk with you, or keep anything on this ship from exploding and killing us all. Your choice.
Ok. Don't worry. I'm certain I can fix this up to suit our needs. I just need some time. Just so you know, the bathroom doesn't quite work. Ok, dès qu'elle parle de salle de bain, c'est bon, vous pouvez partir. Look, I'm really busy here. Voilà. Avant d'aller enclencher la mission, je vais aller parler aux personnes. Ils vont vous donner des trucs en fait. Do this, and I will reward you. Do not do this, and you will get nothing. Understand? Yeah, I got it. I would tell you the secret of curing any disease. However, I do not know what I would ask for as compensation yet. And no, I do not take IOUs. Why does everybody look at me as if I will kill them in their sleep? I would tell you the secret of curing any disease. Okay. However, I do not know what I would ask for as compensation yet. And no, I do not take IOUs. Ok, se répète. Deux minutes. On a sauvé que deux personnes là, je crois. Ah non, on a sauvé lui aussi. Là, lui aussi. Lui, il est où lui? En fait, faut parler à toutes les personnes. Et vous débloquerez des armes supplémentaires. Elle est là. I've been thinking a lot about those days on the campaign trail. I bet we can use a lot of those techniques against the Zin. Yeah, yeah. That Topeka debate got pretty messy. Look, we can do this. We just need to stay focused. So keep your shit together. You hear me? Voilà, vous voyez? We can't hide from the Zin forever. We're gonna have to make a last stand eventually. I'm surprised how well folks are holding up. Me? I'm freaking the fuck out inside. Don't tell anyone though. Look, we can do this. We just need to stay focused. So keep your shit together. You hear me? We can't hide from the Zin forever. We're gonna have to get out of there eventually. Je veux juste vérifier un truc, mais je crois que je peux pas le faire maintenant. C'est juste une petite vérification. Ah ouais, déjà, de toute façon, l'ordinateur est pas là, ok. Ok, good. Bon. Bon, on va aller là. Vous voyez, il faut parler à tous les personnages, puis au bout d'un moment, les personnages vous donneront des armes ou des compétences supplémentaires. Donc c'est très important de parler aux personnages. You're really making a big deal out of nothing. This is a great opportunity for him to build character. Kinsey, this is not the time for a teachable moment. If we don't help Matt, he will die. Fine, take this. You're beautiful. Thanks. I was talking to the robot. It's power armor. Same thing. Not really. A robot is an automaton, whereas power... Don't ruin this, Keith. This thing takes some getting used to, huh? Are you breaking my power armor? Kind of. If you do damage the power armor, you can find repair kits in some of the storage crates. Ok, c'est parti. C'est parti, mon kiki. What can I do? Donc ça, c'est de la vie, hein, ce que vous voyez en bleu, là. De toute façon, je pense que vous lisez les sous-titres. Moi, je les lis pas parce que, bon, je connais déjà, je vais pas recommencer. Puis en général, on n'a pas le temps de les lire, donc... I found a bigger door, now what? Brute force works. Voilà, on rentre comme ça chez nous. là, c'est un trou. Hein.
Come on, you alien bastards! You take care of what's there, and I'll make sure they don't alert the others. Voilà, et on tue comme ça les gens. The president needs one of these. Ça me fait des points, c'est bien. On va reprendre des trucs là. Voilà. Ma vie soit neuf. Parce qu'il y a des... Il y a du Terminator, je crois, là. Ah non, pas là. Ouais. C'est bien ce que je disais, il y a du Terminator. Il a cru, quoi. Il peut pas arrêter. The Terminator 5. D'ailleurs, il peut. D'ailleurs, je pense qu'il est en préparation, Terminator 5. Next time, you should run. Avec Schwarzenegger, le retour de Schwarzenegger en Terminator, ça. J'ai hâte, si c'est le cas, j'ai hâte. En tout cas, il y a des rumeurs qui le disent que ça va être le cas, donc. J'ai vraiment hâte. Vraiment, vraiment hâte. I think I'm coming up on Matt. I've got a broken pot here, Kinsey. Any chance that's the one Matt was in? I was hoping you would know that. Allez, bon, c'est parti. Allons écraser l'Empire. L'Empire Zeus. Did you notice who I was? L'Empire Zgeg, pardon. Tiens. Par contre, ils font un peu mal quand même. Hop, je vais prendre de la vie. Get away from me! I mean it! Easy there, Matt. Salut, toi! Salut, toi! Oh, you wouldn't believe what they have. I didn't realize they had robots. I knew it was a robot. Kinsey's been on my case about it being power armor. So, not a robot? What kind of firepower does that make have? Kinsey said the guns are missing stuff. Typical. Give me a moment to find the parts. C'est là que tu dois y aller, toi, non? Oh, ça pète, ça. Distance parcourue en robot. Ah, d'accord, je peux capturer. Ouais, on va protéger notre ami. Voilà. Defend me already. T'inquiète, j'arrive. Personne ne te fera du mal. Personne. What's taking so long, man? You worry about your job and let me do mine. Lui est Keblo dans un coin. Des musiques hippiques, bah. Je sens que je vais me prendre des droits d'auteur, c'est un truc de ouf, mais bon. Ah ouais, mais s'ils sortent pas, je peux pas les détruire, donc what the fuck, hein. Next time you should run. Et toi la zone, moi je veux bien, mais s'ils sortent pas, je peux pas. Ah voilà. Sortez, mes petits, sortez. Allez, viens. Je suis là, viens. Faut que je les fasse sortir, sinon je les aurais pas. Ils veulent pas sortir, hein. Ah. I have the parts. Get to me and I'll set you up.
be much different than any other weapon you're used to. I think I know how to use a gun, Matt. More than just a gun. Right on. Ah, d'accord. Ok. Non, ça marche pas du tout. Je comprends pas pourquoi il y a que le canon qui fonctionne. Allez, je tire, avec le canon qui fonctionne, il y a un problème. Ah, peut-être que... Attendez. Peut-être que j'ai pas de munitions, tout simplement. Ah, il faut peut-être que je prenne des mules, là. Allez, mais... des mules là. Non, il y a pas de mules là. Ah bah si, voilà, c'est parce qu'il faut que je prenne des mules. Allez, je prenne des mules. Détruire les robots ronds. Ah oui, il fallait que je prenne des mules. Ah oui, tout simplement. Voilà, ça c'est des mus, ça. Apparemment. Ah, j'en ai oublié un. Ah. Voilà. Je vais reprendre des mus quand même. Il y a des mules là. Prendre des mules. Vas-y, des mules, c'est parti. Celui-là, ils sont assez nombreux là. Ah, j'ai mal visé. Hein. Ah, je vais me soigner quand même. Voilà. Stay close to me, Matt. I don't know how much longer I can hold out, Kinsey. We're gonna die here. I know it. Tell me, Kinsey, where are you? We're better than I thought. Ok. Apprends à viser. Ah, quel nul. Je sais même plus viser. Je sais même pas viser quoi. Allez là. Pêche-toi là. On n'a pas toute la journée. Oh, il y a du monde là. Oulala. Oh là là, c'est la guerre les mecs là. Ah merde. Faut que je me soigne. Vite, faut que je me soigne. Ah,
We need to man the turret. Matt. Et ça, je sais pas si vous vous savez à quoi c'est. Comment dire? C'est une parodie de quoi ça? À votre avis? Hein? Un des films les plus grands de toute l'histoire et le plus connu. Hey Matt, you still have your man crush on Keith David? That is Mr. Keith David to you. Bon, on est dans un cockpit comme ça. Ah, je pense que vous avez reconnu, hein. Un clin d'œil énorme à ce film. Il manque plus que la musique, puis on serait carrément dans le film là. Look at us, killing everything in sight. Is this what being a sociopath feels like? Un magnifique clin d'œil, franchement. Hey, remember that big ship you were asking about? I don't want to sound needy or anything, but I just blew up a capital ship. You think someone could at least give me a high five? You need to take a look at this. A plane? Why would Zinyak want to build one of those? We're in deep space. It has to be another prison. Whose idea of hell is being trapped on an aeroplane? Me, Shondi, and... Oh my god. Johnny's alive. Boss, Johnny's dead. Who else would be stuck in a plane? Shondi? It was a life-defining moment for her. It's the only thing that makes sense. You're wrong. I think she's making a lot of sense. She's wrong. Find out where this is. We're getting my best friend back. Ben voilà, et ben voilà, c'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour la suite de notre aventure sur Synthro 4. Moi je vais aller rien du tout, on discutera avec lui dans le prochain épisode. On verra ce qu'il nous donnera. Je crois qu'il nous donne une arme. Donc c'est intéressant d'aller lui parler. Allez, je vous dis à la prochaine, il est 45, et oui, entre 40 et 45, comme je vous ai dit, les vidéos ne dépassera pas 45 minutes. Allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis on ira dans le prochain épisode, je pense, sauver Johnny Cage. Allez, salut à tous.